Salut les amis! Avant de regarder cet épisode, nous vous rappelons que vous pouvez suivre notre actualité et nos aventures sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur YouTube et d'activer la petite cloche afin d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est postée sur la chaîne. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à ajouter un pouce bleu, c'est gratuit et ça nous encourage beaucoup pour la suite. Merci à tous et à tout de suite. Nous sommes sans cesse à la recherche de l'inexpliqué. Notre expérience de chasseur de fantômes nous amène à nous rendre sur les traces des lieux les plus énigmatiques et mystérieux que recèle notre patrimoine. Des lieux qui ont une âme et qui regorgent de secrets bien gardés au sein de leurs murs, sans vie et sans avenir. C'est vers l'une de ces bâtisses oubliées que nous décidons de nous rendre afin de mener cette nouvelle enquête. Est-ce qu'un endroit qui a servi de sanatorium, d'asile psychiatrique, de maison de retraite et qui a même été témoin de séquestration criminelle peut avoir quelque chose à raconter et des souvenirs à partager? Est-ce qu'un endroit qui a un fort passé en créant son histoire va vouloir nous parler? C'est donc dans ce lieu qu'on se retrouve et j'ai avec moi Morgane qui est là. Salut. Dis-le donc mon minois. Ça va Morgane? Oui, très bien. Et il y a donc... moi ça va, nickel, ouais. Merci. Bah, écoute, alors tout le monde va bien. Ouais. Et il y a aussi Lauriane qui est là. Salut Lauriane. Salut, enchantée. Alors Lauriane, on t'a jamais vue, donc du coup est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Lauriane, 24 ans, infirmière, musicienne, célibataire. Mais je voudrais quelqu'un à 1m70 à peu près. Et... 1m70? Ouais. Bah ça va, après, je pense l'important, que... c'est l'âme. C'est l'âme? Oui. J'espère qu'on va en croiser pas mal ici. Ouais, ben j'espère. Je pense que tu devrais trouver ton bonheur parmi nos abonnés. Pourquoi pas? Peut-être. Écrivez-moi, Lauriane. Je demanderai à Rémi. Bon, donc du coup, plus sérieusement, Lauriane, tu es donc du coup une amie à nous. Oui. On était donc du coup déjà venu avec toi dans ce même lieu. On l'avait visité et on n'avait pas eu le temps de tout faire. Et en fait, vu que c'est un sanatorium, eh bien on s'est dit que c'était pas mal de faire une enquête ici. Mais très délabré et très dangereux. Ouais, très dangereux, ouais, c'est vrai. Donc on va s'approcher, donc vous allez voir, c'est quand même, bon même s'il est pas mal délabré, c'est quand même un lieu qui est pas mal. Regardez, il y a la croix, là, une belle croix juste en haut. Voilà, on le voit au loin. Donc en fait c'est hyper grand, on va aller là-bas, là-bas il y a une maison en fait qui est juste là-bas. Là, c'est des bureaux. Là, voilà. C'est moi. Là, c'est Morgane. C'est juste moi, d'accord. Et là-bas, en fait, donc c'est le sanatorium. Et il y a encore des maisons là-bas. En fait, c'est tout un espèce de village abandonné. Enfin, presque comme un village, en tout cas. Alors, pour ce qui est de l'historique de ce sanatorium, voilà, j'ai pris quelques notes, pour vous les dire, voilà. Donc, ce sanatorium a été construit à l'emplacement d'un ancien château et il a ouvert en 1928. Donc, vous voyez, ça fait quand même assez longtemps. Après le rachat du domaine de 20 hectares qui a eu lieu en 1926 pour les soins et la guérison des prêtres tuberculeux. Donc, en fait, c'était un sanatorium réservé aux prêtres. Alors, vous le voyez, il y a un peu de vent. Il est prévu qu'il se calme ce soir, hein, on espère, parce que le vent, voilà, ça va à 2 minutes hein, à chaque fois. Donc les locaux du coup sont rapidement devenus trop exigus et ont été agrandis et donc du coup en fait il y a une partie qui a été rallongée, donc on verra mieux derrière, en fait vous verrez mieux, mais en fait du coup à la base c'était un château et après ça a été transformé en fait en sanatorium.
Donc du coup, les nouveaux bâtiments, quand l'extension a été mise, c'était donc en 1937. Et après, ça a été racheté par un centre hospitalier en 1968. Et de là, ce bâtiment est devenu donc une maison de retraite. Voilà, la maison de retraite de l'hôpital. Et puis ensuite, la Deuxième Guerre mondiale et l'évolution des soins anti-tuberculos ont mis fin aux activités du sanatorium. Et donc, le bâtiment est abandonné depuis 1978. Cela fait donc 39 ans qu'il est abandonné. Donc, ça fait quand même pas mal. Voilà. Et du coup, par rapport au paranormal, ce qu'on sait de ce lieu, c'est que donc apparemment, il a été au cœur d'une affaire criminelle et il aurait abrité également une secte. Voilà. Donc, il y a de nombreuses histoires et rumeurs qui circulent sur ce lieu. Et puis, il y a une maison qui est juste là-bas. On va y aller tout à l'heure, la visiter. Donc, dans cette maison, il y a eu des séquestrations, des demandes de rançon, de la torture morale envers des gens qui étaient assez riches. Et du coup, la maison a été en fait condamné. Tout est resté dedans en fait. C'est pour ça qu'en fait vous verrez, il y a encore tout dedans. Ça a été pour les besoins de l'enquête. Du coup, elle a été mise sous scellé. Hein. C'est ça. C'est d'ailleurs, il y a un petit mot qui a été mis là-bas. On le filmera. Voilà pour la petite histoire. On va de toute façon vous la remettre tout à l'heure dans l'épisode. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est rentrer dans le sanatorium, vous faire découvrir ça, et après on fera du coup les maisons. C'est dans un domaine de 20 hectares, oublié de toute civilisation et perdu en pleine campagne, que nous nous retrouvons pour cette nouvelle enquête. Ce dernier recèle plusieurs bâtiments, dont un sanatorium et une maison isolée, tous les deux abandonnés. Ce sont principalement ces deux endroits qui vont nous intéresser au sein de cette nouvelle investigation. Le sanatorium a été construit à l'emplacement d'un château et a ouvert le 1er septembre 1928 après rachat du domaine de 20 hectares en 1926. Il servait principalement pour les soins et la guérison des prêtres tuberculeux. Les locaux rapidement devenus trop exigus sont agrandis et les nouveaux bâtiments furent inaugurés en 1937, accueillant également une cellule d'asile psychiatrique. En 1968, le bâtiment fut racheté pour devenir une maison de retraite. 10 ans plus tard, au cours de l'année 1978, le bâtiment sera finalement laissé à l'abandon, mettant fin aux activités du sanatorium suite à l'évolution des soins antituberculeux. Si le passé de ce lieu en fait un site très chargé d'histoire et propice aux phénomènes paranormaux, c'est surtout les histoires qui s'y sont déroulées qui font fantasmer les plus curieux. Pour cela, penchons-nous maintenant sur cette fameuse maison isolée se trouvant elle aussi sur ce domaine, à quelques mètres seulement du sanatorium, en contrebas. C'est en 2006 qu'un gang de 5 ravisseurs prit en otage un couple de PDG fortunés en les séquestrant dans cette maison et en leur demandant une rançon de 4 millions d'euros sous peine de les tuer. Après les avoir enlevés de chez eux, au sein de leur belle demeure située dans le sud de la France, ils les emmenèrent dans cette maison de campagne isolée et proche du sanatorium, où ils prendront le temps de tout barricader et de débuter de la torture morale et physique sur leurs otages. Après 3 longs jours d'angoisse et de cauchemars, la police mit fin à cette séquestration criminelle en 20 secondes, après avoir enfin trouvé l'emplacement de cette maison coupée du monde grâce à un médecin et un voisin. Arrivé sur place et après avoir pris le soin de défoncer la porte de la pièce où était retenu le couple fortuné à l'étage de la maison, les agents de police judiciaire découvrirent l'horreur. Du désordre, des flaques de sang, mais surtout les 4 yeux des victimes dissimulés sous des couvertures, terrorisés mais encore vivants. Les malfaiteurs s'étaient eux cachés dans des placards, dans la salle de bain, tandis qu'un s'est allongé dans la fameuse pièce de la prise d'otage en signe de reddition. À l'issue de cet assaut, le couple a ainsi pu être libéré, mais n'en reste pas moins traumatisé et choqué, malgré les années passées, en étant tout de même conscient malgré tout qu'ils ont échappé au pire. Depuis, cette maison a été mise sous scellé et a été abandonnée, et le propriétaire a interdiction de récupérer les biens qui s'y trouvent et qui lui appartiennent, comme l'atteste son message de prévention posté sur la porte du garage. S'il vous plaît, cette maison est sous scellé, affaire criminelle. Je ne peux déménager, ne pillez pas le peu qu'il me reste, merci s'il vous plaît. Impossible cependant de savoir si l'auteur de ce même message, qui est donc le propriétaire de la maison, est mêlé à cette affaire criminelle ou pas, et ce malgré plusieurs recherches. Impossible de savoir aussi s'il se trouve actuellement en prison suite à cette affaire, chose qui pourrait ainsi expliquer qu'il ne puisse pas déménager. Est-ce qu'un endroit qui a connu une telle souffrance et de la torture peut garder en mémoire les traces de son passé et de son vécu? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle enquête. Voilà, donc on vient d'arriver dans le sanatorium. Alors, c'est très sombre dedans, donc du coup, je crois que je vais mettre un peu de lumière quand même. Hop. Alors, donc là, on arrive direct dans la chapelle. Oula. Il y a du bruit. Ouais. Il y a du bruitage. Il y a du bruitage, mais bon, là, je pense que c'est dû au vent qui est dehors. Mais normalement, il devrait se calmer. J'ai regardé la météo.
J'espère vraiment. Alors. Donc là, vous le voyez, bon, évidemment, encore, ça a été tagué. On a connu cette chapelle encore en état, enfin, pas taguée. Pas taguée. Et c'est dommage de voir ça, mais bon, malheureusement, c'est devenu monnaie courante dans les lieux abandonnés. Parce qu'il faut dire que nous sommes venus l'an dernier. Ouais, ouais, c'est il n'y a pas très longtemps. Mais l'an dernier, c'était un meilleur état, en tout cas. Ouais. Vraiment. C'était super beau. Voilà donc pour la chapelle, donc on va monter, vous voyez en haut là, on peut aussi venir, il y a un petit balcon à l'étage, donc on va monter dans les étages, donc vous verrez, il y a pas mal de parties qui sont pas accessibles du coup, parce que bon, ça c'est soit effondré, soit c'est dangereux. Alors. Pour une visite de jour, il fait bien nuit. Ouais. Ouais, c'est clair, il fait, ouais. Heureusement qu'on n'a pas pu se tarder, parce que... Ouais, et ouais, c'est ça, hein. C'est hyper sombre dedans. Bon, on va direct monter. Là, je sais pas ce qu'il y a. De quoi ? Ah oui, ben là, attendez, on peut aller là. Hein. Ouais, mais il fait noir. Ouais. Ben oui, mais j'ai la truc. Ah oui, ça va. Alors là, c'est une salle. Là, normalement, c'était scellé. Ouais, non, là, c'est accessible. D'accord, une grande. Ouais, ça a brûlé, ouais. Voilà. Quels sont les lieux où ça n'a pas brûlé ? C'est vrai. Dans l'autre sanatorium aussi, ça avait brûlé. Ah, c'était les cuisines, non ? Ouais, je pense. Oui, c'est vraiment sombre. Ouais. En fait, il y a tout qui a été muré, donc du coup, c'est hyper sombre. Ouais, ça, c'est les cuisines. Ouais, la petite chaise est trop bien. Ah, tu dis quand même tout. Joanna ? Ah, moi j'adore lire. C'est vrai. Ça, c'est Johanna. C'est vrai. Alors, voilà, je vais me régaler. Je m'assois. C'est pas une brocante le week-end prochain. C'est quoi? Ok. Inspirez tous les patins. Ouais. Consommatum. La table des matières. La table des matières? Ouais. D'accord. Ok, ouais, donc là, c'était les cuisines en fait en bas. Et là. Ouais, ouais, il fait mieux. Oh là là là, ouais, c'est hyper chaud. Et là au-dessus de nous. Waouh, il y a, en fait, il y a tout qui s'est effondré, regardez. Dans au-dessus de nous, c'est pas mieux, franchement. J'arrive pas. Ah ouais, putain, ouais. Ouais, c'est un endroit hyper dangereux. Parce que sinon, là, Lauriane, elle va finir au sous-sol. Et là-bas... Ouais, c'est un peu... Ouais, on veut pas y aller. Allez, on va monter. Du coup, vous allez voir, il y a pas mal de parties qui sont pas accessibles, malheureusement. Mais bon. Je sais plus où c'est. Il y avait un sous-sol, vous savez, il y avait plein de machines et plein de livres. Il y a un sous-sol ? Oui. Je sais plus par où il était passé. Ah ouais, je sais pas du tout. Ouais, non, là c'est une pièce. Bon. Ah ben là, non. Là, c'est bien. Non, mais là, je les casse. Là, c'est l'entrée. Bon, on va monter. Ouais. Ouais. D'ailleurs, avec les terrasses en haut, c'est très, très, très belle vue. Ben, c'est une très belle vue, pardonnez-moi. J'ai pas beaucoup dormi. Je suis fatiguée. Je commence à parler en. Tu vois, il y a les billes, le verso. Ah, là, c'est des billes. Ah, ouais. Ah, ça fait beau. Ah, ouais, voilà, ouais, c'est là. Donc là, on est sur le balcon, en fait, ouais, qui donne sur l'église. Sur la chapelle. On voit que c'est un terrain d'airsoft. Ouais,
Ouais. Quand Rémi, une petite anecdote, Rémi s'était fait prendre en otage par des airsofters. C'était dans le cadre d'un mannequin challenge en fait. Il y avait l'airsoft ici et du coup ils nous avaient réquisitionné pour faire la mise en scène avec eux et tout. Et du coup j'avais été l'otage. La victime, ouais. Oh non, pourquoi moi? Inutile de chercher sur internet la vidéo, elle est jamais sortie. Hein. Voilà. Ouais. C'était là. Hein. Ouais, c'était là. Ouais, je me rappelle. Ouais. Alors là, ils disent qu'il faut faire attention. Cahier des panneaux, attention, on va faire gaffe. Oui, bah c'est là, ils les ont mis, mais on peut pas. Ouais, là-bas en fait, ouais. Donc là, c'était des chambres. On va faire attention par terre aussi, là. Vous voyez. Là, la fente. Ah oui. Voilà. Donc là, c'est encore des chambres. Mais même là, je crois que ça a brûlé, non? On dirait un peu. Ouais. Je vais voir si c'est pas dangereux. Donc vous voyez, après là-bas, en fait, ça s'est effondré. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à accéder à l'autre partie. En fait, il faut faire le tour pour accéder à l'autre partie. Ça qui est un peu chiant. Et en fait, donc du coup, ça a été... L'extension, en fait, elle démarre... là, c'est ça en fait, c'est ici. Ici en fait c'est la limite, donc en fait l'ancien château il allait jusqu'à là. Et en fait toute cette partie là ça a été rajouté après en fait. Toute la pièce est dans la... Ouais. Ah, c'est dommage. Donc on va monter au deuxième étage. Bon, vous verrez, c'est un copier-coller hein, du premier, mais bon, on va quand même monter. Ah, bah, il y a trois étages en fait. Je m'en rappelle. Là, ouais. Ah non, là, il y a la salle de théâtre. Ah oui, exact. Oui, c'était là plutôt qu'on avait fait hier soir. Ouais. On devrait se poser là. C'était encore même plus haut. Ouais. C'était encore même plus haut, non. C'est le sol là-bas où le sol il est. C'est vrai, ouais, il est. Oui, quand t'es venu, tu marches seul. C'est la salle de théâtre. Là, c'est costaud. Et donc là, vous voyez, il y a la belle tour qu'on voit juste ici. Qui est vraiment belle. Donc là, voilà, il y avait les spectacles. C'est vrai que tout le temps, dans les sanatoriums, il y a toujours des endroits où... Spectacle, ouais. Voilà, donc la salle de spectacle, une salle de théâtre... Je sais pas exactement comment on peut appeler ça, mais en tout cas, c'était là où il y avait des représentations. Les petites coulisses. Ok. Petit spectacle. Attention de ne pas tomber. Suis-moi, on peut faire une scène de théâtre. Morgane, ne t'approche pas de la fenêtre. Et que tu donc, sale pouilleuse. Kennedy. Tiens ton glaise et va ton chemin, pourriture. Là, il y avait une trappe, genre. Il sortait de là, genre. Ah ouais, il sortait de là. Ah putain, j'ai eu peur, je croyais que c'était profond, mais en fait, non, c'est pas du tout profond, en fait. Non, mais la Buffy, surprise. Pas la Buffy. Moi, je peux pas me battre. Ah, c'est pas du tout profond. Non, mais c'est plus mort parce que je sais pas Donc là, je sais pas si on va voir. On verra plus de l'autre côté, en fait. Enfin, en haut, plutôt. Et vous verrez, en fait, il y a plein de bâtiments abandonnés. C'est carrément...
20 hectares où il y a vraiment plein de bâtiments abandonnés, des maisons, des bureaux, le sanatorium. Il y a plein d'endroits. Alors, là, vous le voyez. C'est un endroit où il y a plein de livres, regardez ça. Ça, je sais pas à quoi ça sert ces bâches. Hop, et donc regardez. Énormément de livres. Ça devait être une bibliothèque ou quoi. Enfin non, je pense pas parce que c'est petit. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, il y a énormément de livres. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la salle des livres. Énormément de livres. Un lit au bibliothécaire en rupture de stock. C'est clair, vous pouvez venir là. Il y a du stock. Bon, après, ils sont plus trop en bon état, mais... Alors là, Johanna, elle courrait comme ça, elle ferait un peu... Ah bah Johanna, ouais, grave. Elle fait le pingouin sur la banquise. Ouais, c'est clair. Elle adore les... Dès qu'il y a des documents dans les lieux abandonnés, direct elle lit. Donc là, à mon avis, elle en a pour... Elle passerait, un mois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Vas-y, ça fait un film, en fait. Ouais. C'est un V, ça, c'est... Ah ouais. Magnifique. Voilà, donc là on est dehors. Cette vue est quand même belle, même si on voit que le bâtiment est quand même ravagé par le temps. C'est quand même beau. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer du coup. Alors on va se mettre là pour mieux voir. Il y avait des panneaux là. En fait, hop. Donc la limite en fait elle est là. Donc. Avant, c'était uniquement ce château. Et ensuite, en fait, ils ont fait l'extension, donc à partir de là, jusqu'à là, en fait. Et donc, on voit bien que c'est pas du tout la même architecture. Il y en a un, ça fait château, voilà, et l'autre, c'est moins beau. Et donc là, vous le voyez, on est au pied des montagnes. Ouais, c'est vrai, ce côté il est hyper dangereux, il va falloir qu'on fasse attention. Je peux vraiment rien faire. Il va falloir qu'on fasse vraiment attention. Oh là là, ah ben il y a tout qui s'est effondré là. Ah ouais. On peut même plus y aller, il y a tout qui s'est effondré. Ah, comme quoi c'est hyper dangereux quand on le dit. Ah. C'était pas comme ça l'autre fois. Ça peut tomber à n'importe quel moment en fait. Vous vous rappelez quand on était venu l'an dernier? Ben ouais, non, c'était pas effondré. Non, mais justement, c'était limite. C'était à la limite, et ben, du coup, ça s'est effondré. Ouais. Donc là, c'est impraticable. Ouais. Ça a brûlé aussi. Ouais. Comme quoi, ouais, ça sent brûler. Ça peut arriver à tout moment, tu vois. Ben ouais, ça peut arriver à n'importe quel moment. Je marche, d'un coup. Je vois pas venir. Ah ouais, grave. Je me demande pas si c'est parce que pas foutu le flot, si tu vois. Ouais. On peut la bloquer. Oui. Ouais, peut-être qu'ils ont mis le feu exprès pour que ça s'écroule. Je sais pas, ça va vraiment cramer là. Ouais. Et comme c'est dur. Ouais. Là c'est. C'est dommage. Oh, t'imagines, t'as ça qui te tombe sur la tête, tu survis pas. Ah ben. C'est dead. On enquête sur toi. Ah ouais, non, là ouais. Putain, les poutres et tout, ouais, c'est... Bah là, du coup, on peut pas y aller, en fait, dans cette partie. Non. On peut pas du tout y aller, regarder la porte en haut. Non, mais de toute manière, c'est pareil, quoi. Ouais. Ouais, du coup, cette partie, c'est mort, quoi. Bah, dommage, parce que c'était beau. C'est dommage, ouais. C'était beau, c'est dommage. Allez, on va aller voir, du coup, la maison qui a été, du coup, touchée... par des séquestrations et par une affaire criminelle. Vous allez voir, c'est impressionnant, il reste tout dedans, c'est impressionnant. Donc là, il y a un autre bâtiment, bon là voilà, hein, une camionnette abandonnée. Et là, il y a un autre bâtiment, on ira je pense tout à l'heure. Voilà, il est pas tellement intéressant, mais bon, on ira quand même... vous le montrer, et là voilà, vous le voyez, il y a une belle tour. Donc en fait, ça c'est la partie du château qui était donc de base. Voilà, hop, et c'est là où c'est effondré, du coup, qu'on ne peut pas aller malheureusement.
Allez, on va voir cette maison, on commence à la voir. Vous voyez, elle est rouge. À travers les arbres. Ouais, non, c'est beau, là, il y a le parc et tout. C'est trop beau, ah, c'est beau, c'est très très beau. Hein. Voilà, on arrive du coup à la maison, ouais, ouais. Elle est hyper flippante, regardez. C'est hyper flippant. Ah ouais, roi, roi. Faut peut-être sonner avant de rentrer. Ah bah oui. Bah ouais, grave. Attends. D'un coup, tu entends. Ouais, ou alors c'est une alarme, tu sais. Je vais partir immédiatement des lieux. Non, bon, je pense qu'il n'y a personne. Allez, on va y aller. Oula, je vais faire attention là du coup avec la caméra. Allez, on va rentrer. Alors préparez-vous, il y a plein de mouches. Hein. Faut écouter le bruit. Il faut écouter le bruit. C'est une luge. Trop mignonne. T'as vu ? Ah ouais. Elle est belle. Il va y avoir une petite statue. Alors. Voilà, vous voyez, il y a tout dedans. Tu t'essuies les pieds avant ? Non. Je sais pas si c'est nécessaire. Ah oui, d'accord. Hop. Non mais là, elles sont parties. On dirait qu'elles sont parties. Bah ouais, c'est vrai, il y a plus de mouches là. Tu avais ouvert la porte alors ou c'est déjà ouvert ? Non, c'était ouvert, hein, je pense. Ah non, mais là, il y en a. On ne sait rien. Ouais, pas, comparé à tout à l'heure, on a fait une première visite. Putain, il y en avait plein, quoi. Alors, on marchait, ça faisait comme un essaim de... Alors, je vais commencer par là. Donc, vous voyez encore tout, la cuisine, regardez. Bah là, il y en a plein. On entend le bruit. Vous voyez, la cuisine, c'est abusé. En fait, on dirait qu'ils sont partis du jour au lendemain. Et en fait, pourquoi il reste tout ? En fait, tout simplement, c'est parce que cette maison a été condamnée, en fait, pour les besoins d'une enquête. Et du coup, le propriétaire n'a rien pu prendre. Mais je comprends pas qu'il n'ait pas, avec le temps, revenu récupérer les affaires. Bon, là, maintenant, c'est mort, mais... Le frigo. Ouais. Ah bah, c'est au champ. Bah, c'est récent, en fait, hein. Alors, il y a pas sûr. Oh, un inhalateur. Ouais, je pense que ça fait... Il est nickel, le truc. Ah ouais, ils sont mis. Parce que là, regarde, il y a écrit Lena Roy Clace, d'être celle qui habitait là. Oh, ouais, sûrement. Du coup, ben ouais, mais vu il est récent le livre, tu vois, donc. Ben ouais, mais du coup, ça doit dater d'après, en fait. C'est au champ et tout. Ça doit dater d'après, en fait, l'abandon, je pense. Je pense que ça a été abandonné après, alors sûrement. Ouais, sûrement. Peut-être. Les cheminées. Le Père Noël, j'avais le même, j'ai toujours le même d'ailleurs. Oh là là, par contre, ça fait flipper. Hein. Ah. Annabelle. Annabelle, elle est là, elle est dans Jérém. On l'a retrouvée. Alors, là c'est, je sais pas, une chambre, je pense. Et donc on va monter. Oh. Hop, oula. Je fais attention de ne pas tomber. Alors. Hop. Donc là, on a une chambre. Enfin, ce qui était une chambre, du moins. Un bureau, petit bureau. Le grand bouquin blanc. L'ancienne télé. Tu rasoir neuf au cas où. Où ? Là. Ah ouais. Tu vas squatter ici et que. Un cachet. On va se raser. Un clic-clac. Comme ça. Ça craint d'aller là ? Ouais, il a l'air un peu. Ouais, c'est casse-gueule. Ouais. Ouais, là on va pas pouvoir y aller, c'est un peu trop risqué malheureusement. Là c'est la salle de bain.
Bon, après, je pense que c'est que des chambres. Ah, il y a une Barbie là. Là, il reste tous les habits. So sexe. Bon, du coup, on va redescendre. Hop. Et puis, on va aller voir l'autre maison, du coup. Hop. Hop. Je fais attention de pas tomber. On va aller voir le sous-sol pour terminer. Et puis, après, on ira à l'autre maison. Putain, la porte elle tombe. Allez. Personne n'a touché, c'est bizarre. Ouais, personne n'a touché quoi. Tu aimes ça lapin ? Ouais, vas-y, merci. On va au sous-sol. On va voir le sous-sol vite fait. Puis après. Viens voir, il y a les bougeons. On ira. Ils sont nickel. Nickel chrome. Oh là, ça fait flipper là. Il y a plein de choses encore. Oh putain, j'ai peur. Putain, il y a plein de choses. Je sais pas, c'est le bâton du gourou. Ça tue, non ? Ah. Ouais, bâton de génial. Ouais, donc là en fait ça mène dans le garage. Je parle à la bête en fait. Donc, tout ce que tu dis, je l'écoute pas, tu vois. Ok. Ah, ben on va pouvoir voir le petit mot. Qui veut des poulets ? Oh, ça m'a fait peur. C'est quoi qu'il y a là-dedans ? C'est des poulets. C'est des crottes de rats, non ? C'est des crottes de rats ? Ouais. Non, c'est pas des crottes de rats, c'est des larves. T'es sûr ? Oui, j'ai un rat et. Non, c'est des crottes de souris. Non. Fais voir, éclaire. Mais non, tu vois bien que c'est des bêtes, regarde. Ça bouge ? Mais non, mais elles sont mortes, mais tu vois bien que, regarde, le corps il est séparé en plusieurs. Approche-toi, tu vois. Mais j'ai peur, tu vas salir ma bête, ma truc. Mais oui, mais certaines, regardez, c'est des larves. Ah, tu vois bien les corps quand même. Oh, il y a une petite valisette, elle est trop mignonne. C'est pas une valisette. Mais il y a des poulets, regardez. Ouais. Dedans ? Ah, ça pue, et. C'est des poulets ! Ouh, mais vas-y, ouvre le coffre. Mais là, regarde ! Ouvre le coffre. Non, t'es fou quoi. Mais tu vois pas, c'est un poulet là. Mais tu vois pas, il y a les plus. Mais non, tu as fait peur, attends. C'est quoi ? C'est quoi ce bruit là qu'il y a eu ? Ah ouais, c'est un poulet. Non, mais attends, moi. Mais oui, c'est un poulet, je te le dis. C'est moi, j'ai jeté ma chaussure. Ah, putain, tu m'as fait peur. Mais dis-nous-le. Mais c'est clair. Mais je sais pas, il y a un poulet, l'organe. Attends, je vais mettre le gant, je vais soulever. Vas-y, c'est dégueulasse. Ça pue, ça pue. Ah, c'est dégueulasse. Pas sur les masques, sans les masques aussi. Ça peut être. Là, il faut sortir les masques. Ah ouais. Ah ouais. Attends. Pas attraper. Je sais pas, la grippe aviaire. Ah bah attends, on a tout prévu, non ? Voilà. Sexy ! Bah vas-y, donne-moi un tant qu'à faire. Puis remix. C'est comment que ça se met sur les oreilles ? Remix ! Sur les oreilles ? Oui, tu les mets là. Bon, écoutez, on va jouer le jeu. Voilà. On est équipé, alors sachez que chez JRM, ça se transforme en vraiment NCIS. Ouais, c'est ça. C'est quoi enquête, et on a tout la totale. Et moi, le gant. Ah, tu as oui. Du coup, tu vas soulever le poulet en fait, c'est ça ? Non, on le prend. On le prend, on le fout sur un bâton. Ah, on fait le truc totem, tu sais. Oh, ouais, c'est. Vous voyez que c'est plein de verre. Il y a les plumes. Oh putain, c'est un squelette là-bas. Ah, oui, oui. Un squelette de quoi ? De bête. Tu vois la mâchoire, les yeux et tout ? Ah ouais. Tu vois l'œil ? La mâchoire, les dents ? Ça devait être un gros truc, je sais pas ce que c'est comme bête. Attends, c'est. Ah ! Il y a un truc ! Affaire criminelle ici, t'as retrouvé un cadavre ? Non mais c'est une oie. Ça pue, ça me dégoûte. C'est une genre d'oie ou je sais pas quoi là. Ça pue. J'ai envie de vomir. On s'en va ? Elle vite. Oh, ça dégoûte. Ah ! Attends, on sort pas là. Ah, la poule, elle bouge. Non, ça me dégoûte. T'imagines, elle revient comme ça. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Et donc là-bas, il y a le mot, en fait, vous allez voir. Hop, je vais vous le filmer. Ah, c'est pas facile de passer, il y a des trucs partout. Fais gaffe, hein. Merci. Ça sent le cadavre. Machine à laver. Et donc le mot, regardez, c'est juste ici. La parabole ici. Hop. Ah ouais, petite terrasse. Je vais vous le filmer, regardez. Ouais. S'il vous plaît, cette maison est sous scellée. Affaire criminelle. Je ne peux déménager.
Ne pillez pas le peu qu'il me reste. Merci. Ouais, merci s'il vous plaît. Et puis il y a le nom, quoi. Voilà. Donc a priori, c'est cette histoire est réelle, hein, apparemment. Il y a eu une affaire criminelle ici. Et du coup, cette maison est sous scellé, tout simplement. Enfin, été dans tous les cas, et c'est pour ça en fait qu'il reste tout. Bon, du coup, on a fini cette maison. Donc là, on va aller faire l'autre maison qui est, je pense, intéressante aussi. Et vous voyez quand même qu'on est dans un magnifique cadre. Au milieu des montagnes, c'est vraiment pas mal. Bon, ce bâtiment, ouais, je pense pas qu'il y a grand intérêt. Donc, on a été déjà allé, il n'y a pas grand intérêt. On va se concentrer plutôt sur les deux maisons. C'est assez vide, quoi. Ouais. Sur les deux maisons, je pense, et le sanatorium, c'est déjà pas mal. Sinon, il faudrait faire deux parties d'enquête, mais bon. Ouais. Voilà, c'est plus en mode garage. Donc là, ouais, c'est plus ouais, garage, bureau. Alors, c'est celle-là ? Bah là, celle-là, elles vont voir. Celle-là aussi, qu'on avait aussi, hein ? Il y en a deux encore après. Alors, il y a combien de maisons là en fait ? Il y en a une. Il y en a encore deux là ? Putain, mais il y a plein de maisons quoi. Et là où il y a les skis, c'est celle d'après. Ah ouais, des skis encore. Mais non, maman. Donc là, c'est la deuxième. Là, je me rappelle plus qu'il y a... Bon, bah on va faire les je trois. On va faire déjà celle de là-bas. Ah ouais, il y a trois maisons quoi. Mais elle a l'air grande aussi. Hein. Il y a un fauteuil. Ah, il y a un fauteuil, ouais. Donc, on va faire la troisième. On va partir de là-bas. Puis on refera les deux du coup en revenant. Je crois qu'il y en a une là, mais je crois qu'il y en a une autre. Mais là par contre. Ah, vous le voyez, on est vraiment au pied des montagnes. On est au pied des montagnes. Donc là, ouais. Je pense que celle-ci, c'est la plus grande. On va aller voir celle-là. Du coup... Quand on vous disait que c'était un parc de lieux abandonnés, il y en a encore une là-bas, je crois, non ? Ah non, c'est la même ? Je vais y aller aussi, du coup. Je vais essayer... Ouais, tu peux venir, hein ? Je vais essayer d'y aller. Hop, c'est exigu. Hop, voilà. Ok. Petite cheminée. D'accord, là ça s'est effondré. Ah, c'est celle-ci la maison avec les skis ? Oui. Ah oui, ouais, mais à mon avis, c'était un truc de ski là. Ouais. Toutes les chaussures, ouais, les skis, oui, parce que c'était c'était une station ici. Oui, ben on est dans les hauteurs, hein. Ouais. Le gars va déneiger si vous êtes beau. Ouais, ouais. Je pense que c'était un truc de location de ski, ouais. Eh oui, ça fait chalet et tout. Ouais. Moi, j'aime bien ce meuble. Ouais, avec les troncs d'arbres. C'est vrai, avec les troncs d'arbres sur les côtés, ouais. Il est beau. C'est original. Mmh. C'est du fait main, ça peut-être. Hein. Ouais. Parce que dans le commerce, ça, tu vois. Quoi. Puis il y a même les portes, la porte. Ouais, ça tue, hein. Ouais. Ça, c'est pas mal. Il y a des rondelles. Ok. Bon. On va voir. Je sais pas si c'est celle-là ou pas, je vais aller voir. C'est... Pourquoi il y a quoi ? Parce que il y en a une. Tu me fais peur. Ouais, vas-y, je te tiens le bras. Putain. C'est chaud, hein, c'est des trucs exigus. Ouais, c'est clair.
Alors, non, je crois pas que c'est celle-là. Il y a un escalier, ça monte. Ouais. Franchement, ça doit être trop beau, quoi, avant. C'est clair. Ça doit être plein de petites maisons comme ça. C'est ça, avec la cheminée et tout. Ah, ça doit être trop, trop beau. En plus, il y a un beau décor, tu vois. Et les escaliers. Ouais, ça doit être trop beau. Très décoré. Une pièce. Ah, je me suis claqué, ah non, ça craint. Quoi? Bah, je sais pas, j'ai fermé la vitre, les gars ils sont tombés, j'aurais pu me couper le bras. Mais carrément. Non, j'ai dit, c'est chaud. J'ai voulu fermer parce que. Il y a du vin. Oui, pour ce soir. Tu vois. Et bah voilà, je pense qu'ici elle est hantée. Si ça commence comme ça. En fait, c'est tombé. Bah quand j'ai fermé là. Bah quand j'ai fermé, tu vois, il y a toutes les personnes tombées, bah ça du bras quoi. Oh putain, c'est chaud. Putain, ça craint. Hein. Bah ouais, mais les verres ils tiennent à. Ah ouais, je sais, mais c'est pour le vin si on revient ce soir, tu vois, c'est ça. Bon, je vais pas. Ouais, tant pis. Parce que... ouais. Ok, bon, je pense pas que c'est celle-ci. Il y avait une qui avait des réputations ah, vraiment d'être hantée. Ouais. Ah, heureusement, j'ai pris des trucs. C'est le garçon. Genre, malgré la foule, je continue. Voilà, bon. Voilà. On a fait quand même une bonne petite visite de jour. Oh oui. C'est un bon moment là. Voilà. Ça va commencer bien avant nous. Ouais. Donc du coup là on va aller un peu se poser. On va aller manger aussi tout à l'heure. Regardez. C'est magnifique. Bon bah du coup on se retrouve tout à l'heure, on espère que le vent aura faibli. Et puis on fera donc du coup cette enquête ce soir, donc dans cet ancien sanatorium, maison de retraite, et dans ces maisons aussi, juste à côté. Vous venez de le voir, ce domaine est très vaste, et il serait difficile de pouvoir tout explorer en une seule soirée. Nous allons donc choisir de privilégier les deux bâtiments principaux chargés en histoire, qui sont selon nous les plus intéressants. D'une part le sanatorium, et d'autre part la maison qui a été témoin de la séquestration criminelle. Après avoir installé tout le matériel, ainsi que les plans fixes dans la chapelle et dans la salle de spectacle, nous décidons de débuter notre enquête dans le hall du sanatorium. Il suffira seulement de quelques secondes pour nous rappeler que nous sommes bel et bien sur les traces du passé, et d'un endroit qui ne demande qu'à s'exprimer. Ça y est, il fait nuit, nous sommes donc de retour dans le sanatorium avec Morgane et Lauriane qui est toujours là. Alors c'est bien parce que du coup on aura deux K2 puisque Lauriane du coup t'as un K2 toi aussi. Yes, il a le mien. Il est mieux le mien. Voilà, il est mieux celui-là parce que lui du coup il fait pas de bruit, hein, c'est ça? Eh ouais, ouais, juste ça clignote. Voilà, bon c'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Yes. Bon, donc du coup on s'est pas encore présenté aux entités, enfin aux possibles entités qu'il peut y avoir dans ce lieu. Donc du coup on va le faire. Il y a quelques enquêtes qui ont été déjà organisées dans ce lieu, pas beaucoup. Donc du coup on espère avoir des résultats ce soir. Vous en pensez quoi? Comment vous vous sentez là avant ce... Pas bien. C'est une blague. Non par contre alors attendez, il y a... Il n'y a plus de vent, il n'y a plus de vent. Je crois que j'ai mes sens pas bien. Non, alors attendez. Par contre, il n'y a plus de vent. J'allais vous le dire justement, il n'y a plus de vent dehors. On peut aller dehors d'ailleurs pour vous prouver qu'il n'y a plus de vent. On a attendu, on a regardé sur la météo. On a de 22h à 23h, 5
km/h. Voilà, ouais. Pour ceux qui disent oui, c'est pas vrai, vous pouvez vous renseigner à la météo, demander le jour où on est aujourd'hui, on est le. Combien de 19 août. 19 août, voilà. Il est. J'ai pas l'heure. Il y a plus de vent, c'est pas... c'est quand même cool. Hein. Bah, violent, hein. Ou une genre. Mais non, mais il y a pas de porte. Non, non, y a non pas... mais voilà, mais il faut montrer qu'il y a pas de vent, quoi. Vraiment, il y a pas de porte, quoi. Bah, viens, on va dehors. Ouais. Même les portes, il y a plus aucun. On a attendu dans la voiture 2 heures, en fait, on a fait une sieste et tout. Il n'y a pas eu de bruit, enfin là c'était pas du tout, enfin, on l'entendait là, juste quand... juste quand tu dis quoi, vous vous sentez? Comment vous vous sentez là, c'est ça, je suis au bas du coup. En plus j'allais dire bien, tu vois. On va commencer du coup, on va prendre un peu de temps parce que du coup... Allez, c'est la salle. On va aller, je sais pas, ça venait d'où vous voyez? Premier ou deux, hein. Ça démarre à peine, c'est déjà la samba du Brésil dans le truc. C'est clair. Je vois pas ce qui a pu faire ce bruit parce qu'il n'y a pas de porte. On va vérifier ce qui peut avoir fait ce bruit. Je vois pas du tout en fait. Vous voyez, il n'y a plus du tout de vent. C'était un coup, mais violent quoi. Bonsoir. Bonsoir. On sait pas, voilà, on va se présenter. Hein. Alors. Voilà. Donc on va se présenter. Voilà. L'ascenseur, la porte ne bouge pas. Hein. Bon, et bien. C'est ça. Non. Ah ouais? On va un peu. Tu vas? Non. Ouais, non. C'est fort. Non, ça n'a rien à voir. Faut vraiment tirer, quoi. Bon, donc bonsoir. Donc nous sommes ici ce soir en toute amitié, nous venons en toute amitié, on ne veut pas vous déranger. On ne s'est pas encore présenté, on s'est permis de faire une visite de jour cet après-midi. Et on a visité donc du coup ce sanatorium, c'est la deuxième ou troisième fois que nous venons. Et c'est donc la première fois que nous filmons. Donc on ne veut pas vous déranger, on veut simplement... tenter de rentrer en contact avec vous si c'est possible, s'il y a quelqu'un ici. Voilà, donc nous sommes des enquêteurs sur le paranormal. Donc j'imagine que vous deviez peut-être avoir l'habitude d'en voir ici. Nous étions venus l'an dernier. On n'avait pas pu enquêter, donc on revient spécialement ici pour voir s'il y a encore des présences entre ces murs. Donc j'espère que vous allez nous offrir... un bel accueil. Et puis, voilà, on vient en toute amitié. Donc, voilà quoi. Donc, on espère que vous allez vous joindre à nous pour communiquer. On a du matériel. Donc, n'hésitez pas. Tu veux dire quelque chose, Yvonne ? Non, je regarde s'il y a des portes, mais il n'y a aucune porte. Aucune porte. Là, je vois pas ce qui a pu faire ce bruit, surtout que c'était proche de nous. Je vois pas. Donc du coup on a pris le K2, tu vois le... Voilà, le K2, donc toi aussi, et puis donc on a mis un plan fixe donc dans l'église et dans la salle de théâtre, de spectacle, avec donc les deux pods, le détecteur de mouvement lumineux et aussi le vibrapod. Voilà. Bon, je vais me direct mettre en infrarouge. J'éteins ma lumière. Ouais. Je laisse ça là pour... Ouais, voilà. Parce que... Bon. Ouais, c'est pas pareil, hein. Ah. Et... pas les malins. Là, on fait plus les macs, hein. Ouais, non, c'est chaud. Bon. Eh bien, est-ce qu'il y a... quelqu'un entre ces murs? Est-ce qu'il reste des personnes? Pardon. Dans le couloir ou bien dans les chambres? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Là, maintenant. Revenons sur ce qu'il vient de se passer, alors que nous venons à peine de démarrer notre enquête depuis seulement quelques minutes. Vous l'avez vu lors de la visite de jour, le vent était présent l'après-midi, ce qui nous a inquiétés pour le soir même, car nous savons très bien tout autant que vous que le vent est l'ennemi numéro 1 des enquêtes paranormales.
Après avoir consulté la météo, nous avons pu heureusement constater que le vent devait totalement disparaître dès le début de la soirée, tombant ainsi à 5 km/h, aux heures prévues pour notre enquête. Soulagés, nous avons donc mangé sur place dans le parc du domaine et avons ensuite attendu dans la voiture, garée à quelques mètres du lieu, en faisant une sieste pour se reposer et attendre l'obscurité totale. Vers 21h, nous sommes retournés dans le lieu afin d'y installer le matériel pour ensuite débuter l'enquête. Il n'y avait strictement personne et le vent avait bel et bien disparu comme le prévoyait si bien la météo. Pendant toute l'heure où nous avons installé le matériel, il n'y a strictement eu aucun bruit dans le sanatorium, ce qui nous a d'ailleurs paru très calme et même peut-être étrange en connaissant l'état de délabrement du lieu. Vous venez de le voir, c'est au moment où je demande aux filles comment elles se sentent et comment elles ressentent ce lieu qu'un énorme coup se fait entendre dans l'enceinte du sanatorium. L'hypothèse du vent peut clairement être éliminée puisqu'il était inexistant à cette heure-ci. De plus, il n'y a plus aucune porte présente aux abords de la cage d'escalier, alors que ce bruit paraît pourtant venir de cette direction et semble tout de même assez proche de nous. Nous ne savons pas ce qui a pu produire ce bruit et nous n'avons aucune idée quant à sa localisation. Cependant, il est pour nous très fort probable que ce coup soit un signe à notre présence, qui peut peut-être déranger les éventuelles entités présentes dans ce lieu et qui seraient donc décidées à nous le faire savoir. Du coup, on espère avoir des résultats ce soir. Vous en pensez quoi? Comment vous vous sentez là avant ce... Donc du coup, on espère avoir des résultats ce soir. Vous en pensez quoi? Comment vous vous sentez là avant ce... Bon les amis, on est de retour, je viens de me rendre compte en haut que je ne filmais pas, j'étais pourtant persuadé d'avoir appuyé, normalement je vérifie toujours et là je sais pas pourquoi, j'ai dû avoir la tête à côté, bref. Donc du coup, je vais quand même refaire une petite intro, mais vous avez entendu évidemment, donc heureusement que la caméra de Lauriane était là, merci Lauriane franchement. Merci. Heureusement. Ouais, heureusement, parce que sinon on aurait dit qu'on avait eu entendu un bruit, les gens ils auraient dit ah, c'est pas vrai. Voilà, donc là au moins on l'a. Bon, je sais pas du coup si ça. Elle filme bien ta caméra, bon, c'est mieux que ouais, rien. Ouais, normalement ça va. Bon, voilà. Elle est en full HD. Du coup, on voit juste pas nos visages quoi. Voilà, donc du coup, ouais. Je refilme nos visages. Voilà, donc Morgane qui est là. De retour pour jouer à mauvais tour. Et Lauriane. Ça va. De Janeiro. Bon, donc du coup, on va remonter là où on était. C'est parti. Parce que du coup, vu que je me suis rendu compte que je filmais pas, on est redescendu en fait. Pour refaire quand même une belle petite intro, hein, voilà. Entre guillemets. Allez. T'es quoi ? Alors. Donc on est de retour. Voilà. Voilà, je me suis rendu compte que je filmais pas. Du coup, c'est pour ça qu'on est redescendu. Donc on va repasser en mode infrarouge. Voilà. Nous disions il y a plusieurs minutes. Donc manifestez-vous s'il y a encore des entités entre ces murs, des habitants de ce sanatorium, dans les couloirs ou bien dans les chambres. Faites-nous le savoir maintenant avec un bruit. Vous déclenchez les appareils que moi et Lauriane tenons dans nos mains. Voilà, donc c'est des appareils qui peuvent normalement vous détecter. Donc n'hésitez pas à vous approcher de nous pour que ces appareils puissent être déclenchés. Ou alors si vous préférez vous manifester en faisant des bruits, n'hésitez pas. Tu as mis ton téléphone en mode avion ? Oui, c'est bon. Oh, on est tous en mode avion. Il est même éteint mon téléphone. Et quand tu le secoues, il se déclenche le truc ? Oui, c'est normal, hein. Il faut pas le secouer. Ouais. Juste parce que quand tu as baissé la main, il s'est allumé. Ouais. Le débit. Alors ça va. Bon, on va essayer de pas faire de bruit, juste de rester là un peu pour Allez, voir. On va sur place. Allez. Ouais, pour voir. Ok. Alors s'il y a quelqu'un avec nous ce soir dans ce sanatorium. Nous voudrions rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe maintenant, si vous êtes là, s'il y a quelqu'un qui nous entend? Un bruit ou alors un déclenchement d'appareil, s'il vous plaît. Vous pouvez vous approcher, ils sont sans danger.
comme quoi c'était bien un bruit tout à l'heure, c'était pas le bah coup, ouais, parce non. Que... Ouais. Parce que là... Ça tape plus du tout, il n'y a pas un brin devant. Non. Donc j'espère que le bruit s'est bien enregistré sur la caméra de Lauriane, normalement oui. Hein. Parce qu'il était tellement gros que... Mmh. Ah voilà. Ouais, tu m'entends bien au micro. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un... 17 ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce bâtiment ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit maintenant si vous êtes là, s'il vous plaît ? Tapez contre un mur ou une porte. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous ? Ah, t'es infirmière, ouais, c'est vrai en plus. Eh oui. Maison de retraite en plus. Ouais, c'est ça. C'était sanatorium et après une maison de retraite, ouais. Ça colle bien, hein, je trouve. Est-ce qu'il y a des patients ici qui auraient besoin de soins ? Parce qu'il y a une infirmière ici. Si oui, alors manifestez-vous, s'il vous plaît. Faites-nous le savoir. Un petit coup, je sais pas, ça peut être naturel ça. Ouais. Est-ce que vous voulez des soins ? Tapez contre quelque chose pour nous dire oui. Ou bien marcher autour de nous, on vous entendra avec les graviers. C'est marché. Ouais, c'est calme là. On va vers là-bas. Ouais, vers là-bas parce que là du coup on peut pas trop avancer. Franchement, en fait, j'avais une belle vue avec les chambres. Ouais, c'est vrai. Sur la nature, c'est trop trop beau. C'est la nuit, c'est encore trop voir. J'ai perdu une. On va monter, non ? Ouais, allez. Il y a un endroit où il y a des couloirs. C'est au troisième, je crois. C'est là où on avait fait le truc avec l'airsoft. Ah oui, c'est ça. Il y a un couloir qui partait vers la droite. On va voir. Attends, je dois voir. C'est vrai que j'y vais donc. N'empêche, je sais pas vous, mais moi au début de l'enquête, là ça va mieux, mais je me sentais hyper oppressée. Au début ? Ouais. Et là, oppressée maintenant ? Non, là ça va mieux. Alors moi, là, faut vraiment plein de deux. Ah ouais ? Moi au début, ouais, je me sentais hyper oppressée en fait. Je sais pas pourquoi. Mais... Ah ouais. Voilà, c'était là. Ouais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, dans ce sanatorium ? Ça a tapé. Ouais. Juste après ma question. Alors, on vient d'entendre un bruit. Est-ce que c'était vous ? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Ouais. C'était plus vers derrière, non? Ah ouais, moi j'aurais dû de là-bas. Là-bas? Moi derrière. Ouais, moi là. Moi je pense plus vers là, ouais. D'accord. Si vous êtes avec nous, s'il vous plaît, on peut. On a du matériel qui permet donc de vous détecter. On a déjà utilisé ce matériel, notamment le K2 dans un autre sanatorium qui nous a donné beaucoup de résultats. Et du coup, on aimerait pouvoir échanger avec vous à travers des bruits, mais aussi avec notre matériel. Donc vous pouvez vous approcher des appareils, n'ayez pas peur, ils sont sans danger. Et on pourra établir un dialogue, hein, tout simplement, pour en savoir plus sur vous. Et pourquoi pas vous aider ou vous écouter si vous avez des messages à nous transmettre. Est-ce qu'il reste des patients ici, entre ces murs ? Si oui, manifestez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi nous parler. N'hésitez pas. Profitez-en. Il y a une infirmière avec nous. C'est pas tout le temps, je pense. Il y en a ici. J'ai des compresses, de l'alcool, enfin, pour désinfecter. Ouais. Des masques aussi. Des masques, des gants. Je peux vous changer, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce sanatorium ? On a déjà entendu deux bruits, on ne sait pas si c'est vous, on le pense, étant donné que le vent s'est calmé. Et qu'on entendrait beaucoup plus de claquements si c'était le vent. Mais on voudrait être sûr que ce soit vous. N'ayez pas peur de nous. Ici, le sol, il est mieux que... Ouais, il est... Ben, en fait, c'est parce que ça, c'est la partie de l'extension. Ouais, mais en bas aussi, non? Enfin... Non, mais là, en fait, on est dans l'aile. On n'est pas en fait dans le bâtiment là-bas qui s'était écroulé. On est dans l'aile la plus récente là en fait. Ouais. C'est pour ça. Parce que regarde là, après, sinon si on va à gauche, c'est pareil. Non, ouais. En fait, ce qui s'est. Ouais. C'est là-bas en fait, tu vois. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ces murs ? Une chose par terre. Ah, c'est la zone où il faut pas aller là. Ouais. Après, ouais, là-bas. Ouais, il y a un trou et tout, mon Dieu. Ouais, il est immense. Ouais. Ah là, il y avait la sonnette. Ah ouais. Non,
T'imagines, ça déclenche des... Bah. Tu te rappelles ce qui s'était passé en France de l'Oise? Mmh. Le bruit sourd. Grave, c'était un truc de dingue. Y'a quelqu'un ici? C'était un truc de dingue. Y'a quelqu'un ici? C'était un truc de dingue. Y'a quelqu'un ici? Venez nous rejoindre. Sortez de vos chambres, s'il vous plaît. Venez communiquer avec nous. On veut rentrer en contact avec vous. Profitez-en, on n'est là que ce soir. Alors n'hésitez pas à vous joindre à nous si vous êtes là, s'il vous plaît. C'est l'heure des soins. Ça tape. Ah bon? Oui. J'ai pas entendu. Il a marché, non? Cela fait plusieurs minutes que des bruits et des coups retentissent dans le sanatorium. Certains d'entre eux sont d'ailleurs tellement importants qu'ils sont aussi enregistrés par le plan fixe situé dans la chapelle. Rappelons évidemment qu'il n'y a plus de vent dehors et qu'il n'y a donc aucune raison naturelle pour que de tels bruits se fassent entendre au sein du bâtiment. Cependant, impossible de savoir exactement d'où proviennent ces bruits, qui peuvent laisser penser que nous ne sommes pas seuls ce soir et que d'éventuelles entités voudraient nous manifester leur présence. Il y a aussi ce possible PVE que nous pensons entendre, et qui est assez clair si on tend bien l'oreille avec un casque audio. Une voix féminine semble dire Morgane, alors que cette dernière est justement en train d'interpeller les éventuels occupants du lieu en les invitant à sortir de leur chambre. Rappelons aussi que ce n'est pas la première fois que le prénom de Morgane semble être enregistré en tant que PVE. Cela s'était par exemple produit dans le couvent maudit des Ursulines lors de l'épisode 6. Après avoir déambulé quelques minutes dans les couloirs du sanatorium, nous allons nous diriger vers la salle de spectacle, où justement un plan fixe est positionné. Alors apparemment ici c'est une salle de spectacle. Est-ce que vous pourriez monter sur la scène et faire du bruit? Cache le cadeau comme ça. Ouais. Il y avait des représentations ici. Donc, si possible, on aimerait pouvoir assister justement à une représentation, si vous voulez vous produire devant nous. Donc, pour cela, il faudrait donc que vous montiez sur la scène, s'il vous plaît. Si vous êtes là. Vous pouvez aussi jouer avec la peluche. Donc elle est au sol et elle est vraiment pas dangereuse. Si vous approchez de cette peluche, elle s'allumera et elle fera du bruit ou une musique. Voilà, donc petite démonstration. Voilà, et à partir de là, on peut établir des questions-réponses. Donc si vous en approchez, ça veut dire oui. Donc est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Si oui, rapprochez-vous de la peluche, s'il vous plaît. Elle est sans danger, il vous suffit juste de la toucher, hein. Donc n'hésitez pas. Les cadeaux ne se déclenchent pas pour le moment. Alors on ne sait pas si les plans fixes ont enregistré quelque chose pendant qu'on était en train de déambuler dans les couloirs. On verra ça à l'analyse pour l'instant. À part deux ou trois bruits, on n'a rien eu de spécial.
Il y a des gens qui ont souffert ici, c'est sûr même d'ailleurs. Et vous êtes peut-être encore entre ces murs, et on est là ce soir en fait pour vous comprendre et en savoir plus sur vous. On aimerait que vous nous racontiez comment s'est déroulée votre vie, qu'est-ce que vous avez fait ici. Et donc pour cela, on a besoin de vos signes. Alors, c'est peut-être difficile pour vous, peut-être que vous avez besoin d'énergie pour le faire. Mais en tout cas, on voudrait vraiment tenter d'établir un contact avec vous. Donc vous pouvez faire des bruits, déclencher nos appareils, ou alors, c'est un peu fou, mais vous montrer. On est là pour ça, de notre côté. Montez tous sur la scène et montrez-vous. Donc si vous avez la capacité, voilà, justement, de vous montrer, ben n'hésitez pas, du coup. Est-ce que vous pouviez faire un bruit, juste un, pour nous montrer qu'il y a encore quelqu'un ici? Une odeur de quoi? Je sais pas. Non, je sens rien. Je sais pas. Une odeur de quoi? Bah, mettez-vous là, vous allez la sentir, je sais pas, de... De cigarette. Non, pas de cigarette. De... Vous sentez pas? Je te jure que non, je sens pas. Sérieux? Non. Ouvrez grand vos narines. Mais genre ça pue ou ça sent? Non, c'est pas désagréable. C'est... Comme une odeur de tissu, enfin... C'est peut-être les livres. Non, c'est pas ça. Ouais, non. C'est un parfum. Ah oui, ça sent. Il y a la salle de livres à côté. Et sans ça, tu crois? Rapproche-toi de lui. C'est peut-être ça. Hein. D'ailleurs, ouais, le sous-sol, on l'a pas trouvé ici. Enfin, c'est ça. Ouais, c'est vrai, il faut déconner. C'est ça? Oui. Il y a le sous-sol avec tous les machineries et les bouquins. Et sur la scène, on peut y aller? Elle tient? Ouais, ouais, tu suis allée tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai fait le spectacle. Ok. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois plus, tu sautes en trou. Vas-y, tente, Lauriane. L'escalator. Alors, on est donc sur la scène. Si vous nous voyez, est-ce que vous pouvez déclencher nos appareils ou faire un bruit? Si vous nous voyez actuellement sur la scène. Et on vous fait le show. Voilà. Si vous voulez un spectacle, manifestez-vous et déclenchez nos appareils. Il y a eu encore un bruit. J'ai entendu un bruit aussi. Ah, j'ai pas entendu. Ouais, ouais. Merde. C'est en haut, je crois. Ne soyez pas timide. N'ayez pas peur de nous. Je trouve quand même que la salle est en bon état, en 50 ans d'abandon quand même. Ouais. En
tu sais que... P... Ouais, c'est clair. Combien d'années d'abandon? Bah, c'était le sanatorium qu'on avait fait aux deux, et il y avait beaucoup moins, hein. C'était dans les années... C'est pas 30 ans, je sais plus. Non. C'était toi? Ah bah non, je suis basée dans les années 2000. C'est dans les années 2000, c'est 2003, c'est vrai, je crois. C'est 2003, il me semble. Il est beaucoup plus défoncé. Mais après, c'est parce que les gens le détruisent aussi. Ouais, quand tu vois. C'est vrai qu'ici, c'est, voilà, peu, fait, c'est dur d'accès. Voilà. C'est vraiment paumé, voilà, pour le coup. Donc, du coup, il est un peu délabré. Les gens qui vivent dans cette région n'ont pas la même mentalité. Ouais. Aussi, ouais. Bon, après, voilà, il y a les tags et tout. Mais c'est vrai que je pense qu'ici, il n'y a pas eu beaucoup de cases. En fait, c'est les cases du temps, en fait, je pense. Ouais, ici, surtout. Ouais, je pense, ouais. Parce que le sanatorium du 2, clairement, c'est pas du temps, c'est des casseurs qui vont... C'est tout pété, c'est des casseurs. Les portes sont par terre. Fait. Ouais. Alors qu'ici, je pense que c'est juste les ravages du temps, hein, tout simplement. Ah oui, je dis ça, il y a une porte par terre. Il y a une porte, ouais. Ouais, mais ça c'est l'airsoft. C'est pas le genre de porte. Oui, c'est pour la sécurité. Ouais. Ça, c'est l'airsoft. Et ça, ouais, c'est pour la sécurité. Ouais. Parce qu'il y a des trous. Ouais. Ah bah oui, il y en a partout. Ouais. Ouais. Les petits trous, toujours les petits trous. Là, pour le coup, ça a une utilité, quoi. Ouais. Et voilà. Mais il y en a qui se ramènent c'est en pleine nuit. Par gratuité, le plaisir de tout casser, quoi. C'est clair. D'ailleurs, on comprendra toujours pas les gens qui vont en pleine nuit dans les lieux avec des marteaux, avec des je sais pas quoi, pour casser les murs, pour tout casser. Enfin, il faut nous expliquer vraiment l'intérêt. Me demande si, non, mais franchement, je me pose la question si une fois qu'ils ont tout cassé, ils se touchent devant leur. Ouais, c'est ça. Leur bordel, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est une maladie, c'est comme les gens qui ont la maladie de mettre le feu, eux c'est la maladie de tout casser. Ouais. Je pense que c'est ça. Mettre le feu, franchement, allumez-vous un feu de cheminée, regardez le feu brûler. C'est sérieux. N'importe quoi, quoi. C'est vrai. Encore une fois, du mouvement se fait entendre dans le sanatorium, sans aucun doute dans la chapelle, comme peut en témoigner l'enregistrement du plan fixe situé dans cette pièce. C'est justement cette dernière que nous allons maintenant rejoindre et arpenter, afin de poursuivre notre enquête au sein de ce lieu décidément troublant et mystérieux. Nous sommes dans l'église, est-ce que vous pouvez nous rejoindre dans l'église s'il vous plaît? Regardez, je tiens l'appareil dans ma main. Est-ce que vous pouvez le déclencher s'il vous plaît? Il vous suffit de vous approcher et de le déclencher à la lumière rouge, si c'est possible pour vous. Pour nous montrer votre présence. Ah, c'est Morgane, ça. Quoi? Ah putain, tu m'as fait peur. C'est moi, je croyais. Oh, c'est toi. Eh oui, j'ai fait ça, j'ai ouvert. Ah, putain. Ça allait pas mal. C'était ça? Oui. Ah. J'ai chaud. J'ai l'air d'avoir froid après. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? On est là uniquement ce soir. Ah. Allez, on va au sous-sol. De toute façon, là, ça filme. N'hésitez pas à déclencher l'appareil. Voilà.
Ah, c'est vrai, il faudrait qu'on fasse aussi. Bah, après, on remontera pour faire la séance de Spirit Box, après, on fera la pause. On la fera dans les couloirs. Et on sait où c'est, ce sous-sol. Bah, il faudrait qu'on trouve. Bah, il est là, il est dans le couloir. C'était pas compliqué à trouver. On va chercher le sous-sol. Dans la porte, T'es sûre, Lauriane, qu'il y avait un sous-sol ici, ouais? Ah, c'est certain, j'avais trouvé. D'accord. Ouais, tu confonds pas avec un autre sanatorium. Et c'était. Il y avait plein, il y avait des centaines pour la tuberculose. Ah, ouais, d'accord. Juste... Ah, ça doit être dans une salle par là. Ah, c'est les cuisines aussi? Ouais, ça, c'est les cuisines. Ouais, il y a des fois, enfin, c'est les orangés à papier, donc c'est vraiment. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas. Hein. Ah, c'est là, d'accord, je croyais que c'était de ce côté. Ok. Là, je vais mettre un peu de lumière là, du coup. Hop. Ok. Et du coup, c'est avant-hier que ça a cramé. Avant-hier? Ouais, j'ai dit avant-hier, il y avait eu les pompiers. Et tout. Ici? Ouais. Ah, j'ai pas entendu. Ah, non plus, j'ai pas entendu. C'est pour ça que c'est bien cramé là-bas. Ah, d'accord. Alors, attends. Ok, là c'est la. Les machineries. La alors, chaufferie. Là c'est la chaufferie. Ok. Bah, donc il n'y a rien de spécial à voir. Non. Ah, mais je me sens que c'était là. Bah, c'est pas bah là, ouais. C'est ici quoi, c'est tout ça là. Mais genre là, il y avait un gros gros meuble, un établi. Ouais. Avec tous les livres dessus. Bon, là c'est derrière, je comprends. Ah là. Là, non, celle-là. Ah voilà, alors je comprends. Ah, ça doit être ça. Voilà, là il y a tous les documents, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais, là, c'est là. Société médicale. 1955, les gars. 1955 ah ouais. Et il y en a des plus vieux. Des hôpitaux de Paris. Il y en a vu des plus vieux. Revue de la tuberculose. C'est ça, c'est ça. 1935, ça, je crois. Dans les 1950. Il y en a des plus ou moins vieux. Ah, ça c'est intéressant, tu vois. Et il y en a plein de ça. Enfin, il y en a des... Ça parle ouais, de la tuberculose, oui. Tout ça. Ouais. Mmh. Ouais, c'est une revue qui t'explique les symptômes, les trucs. Okay. État actuel, la thérapeutique de la tuberculose par les Océanica Bazon. Là, c'est des revues médicales, c'était pour les médecins et tout, je pense. Biographie, tuberculose pulmonaire. Infection pulmonaire non tuberculeuse. 1967. Ouais, c'est des trucs qui datent en fait. Qui datent. Ça m'étonne qu'ils aient pas mis le feu au livre, tu vois. Ouais. Il y a eu un feu, mais ça a pas tout brûlé. Il y a eu un feu, donc avant-hier, hein, c'est ça? Mmh. Avant-hier, il y a eu un feu. Et franchement, ce serait intéressant de prendre un livre, non? Vous en pensez quoi? Ouais, qui parle de la tuberculose. Bah ben oui, comme ça, on se fait, je sais pas, non? Il y en a, je sais pas combien d'exemplaires. Mm. Il y a de partout, non? Ouais, c'est clair. Ouais. Comme ça, je sais pas, on peut se documenter. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai des tickets de la restauration. C'est vrai, parce que du coup, c'est le troisième sanatorium qu'on fait. Et ouais, et bon. Allez, oui, c'est quoi ça? Là, j'ai les tickets de restauration des patients de la maison de retraite. Ah, d'accord, ouais, donc ça, c'est quand c'était des maisons de retraite, hein, du coup, ouais. Les tickets repas. Ouais, ouais, tickets repas. De 21-07. Non, vieillisse. 1970. Il y a le nom pour... Bielinda. Il y a le nom que portait la maison de retraite avant. Écrit dessus. Là, c'est quoi, ça? Du coup, maman, c'est comment elle s'appelle? Journal officiel. Ok. 1961. Ça, c'est les stocks médicaux. Hop, bon allez, on va. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce sous-sol? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît, si vous êtes là? On veut communiquer avec vous.
On n'est pas là pour vous déranger. Mayonnaise, poulet rôti, petit pois à la française, salade verte, pâtisserie, café. Ça, ça peut l'air dégueu. Ça va. Peut-être que depuis, c'est un peu plus. On goûte pour voir. Mais il fait que ça le sous-sol, ouais, il est pas énorme en fait. Non, ouais, bah, c'était là, la machine et tous les documents. Là, c'est des gros livres. Oula, ça fait flipper là-bas. Là. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Là-dedans, là-bas. Là. Ah, grave. Oula! Quoi? Ah oui, c'est horrible. Ah, il doit y avoir plein de bêtes là, les rats et tout là. Ouais. Alors là, il y a des tuyaux. On va te gélatiner quand tout à l'heure, c'est là? Je sais pas si je suis à jour d'ailleurs. Bon, si, je suis là. Faut être en regard, hein. Ouais, c'est vrai que ouais, il faut être. Vu les lieux qu'on fait, ouais, vu les lieux qu'on fait. Ouais, vu les lieux qu'on fait, ouais, c'est clair. En plus, c'est horrible là. Bon, le casier ne se déclenche pas. J'avais les patients. On va remonter et on va faire la séance de Spirit Box. Je ne sais pas quoi penser de ces images, et stupéfaction est le premier mot qui me vient à l'esprit. Le plan fixe de la chapelle vient en effet d'enregistrer une scène irréaliste et surprenante, mais pourtant bien réelle, alors que nous étions en train de rejoindre les sous-sols du sanatorium. Le Vibrapod, qui est un appareil servant à mesurer les vibrations, s'est une nouvelle fois déclenché, comme cela a été le cas dans l'épisode précédent au château de Fougeray. Cette fois, le projecteur infrarouge est fonctionnel, et cela nous permet clairement de voir qu'il n'y a aucune raison rationnelle et logique pour que cet appareil se déclenche. Aucun animal, aucun humain, aucun intrus en tout genre. Il n'y a rien qui puisse justifier rationnellement qu'un coup ait été donné contre cette estrade en bois. Si on part alors sur la théorie du paranormal, une entité vient peut-être bel et bien de donner un coup que nous avons réussi à enregistrer et à filmer. À ce stade de l'enquête, grâce à tous les événements survenus et enregistrés par nos caméras, la présence d'esprits en ces lieux n'est peut-être plus une simple supposition. Nous allons maintenant regagner les étages en débutant une séance de Spirit Box dans les couloirs qui composent le sanatorium. Ouais. Bah là, ouais, pire. Ouais. Donc nous sommes au premier étage. Est-ce que vous pouvez nous parler? On a un appareil donc qui permet logiquement de vous entendre. Ça génère donc du bruit blanc. Donc vous pouvez utiliser ce bruit blanc pour faire des bruits et pour former des mots et des phrases. Alors on va vous poser des questions, donc n'hésitez pas à nous répondre en parlant, en utilisant donc ce bruit blanc justement pour parler. Donc je rappelle évidemment que notre spirit box est celle-ci, hop, voilà. Et du coup elle est totalement bridée, elle ne capte pas du tout la radio, donc si on entend une voix, cela ne peut pas être la radio, hein, tout simplement. J'avais un message à faire passer pour tous les ans. Pour tous les ans, parce que nous avons le matériel approprié. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent dans ce lieu. C'est clair. Pour essayer de communiquer avec vous. Donc essayez de faire un effort, si vous voulez, de venir nous parler à travers la spirit box, ou même de faire un bruit, très fort. Donc on va vous poser des questions. Alors, est-ce qu'il y a des hommes ici?
Hein ? Des prêtres. Ouais, des prêtres. Est-ce qu'il y a des prêtres ici ? Est-ce que vous êtes décédé ici ? Est-ce que vous avez un message à nous communiquer ? Dites-nous oui ou non, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des enfants ? Avez-vous été bien traité ici ? Est-ce qu'on vous dérange ? S'il vous plaît, venez. Maintenant, s'il vous plaît, déclenchez l'appareil noir devant moi. Ouais, c'est hyper calme. Hein. Je pense que on va mettre un terme à... On va tenter les maisons, je pense. Hein. Ouais. Parce que là, franchement, c'est... Calme. On va juste essayer... Comme on dit, le calme avant la tempête. Ouais. Des fois, c'est quand tu dis ça et que tu vas partir qu'il y a les trucs. Ouais, c'est ça. Bon, donc si vous ne vous manifestez pas, on va changer de bâtiment, on va aller dans un autre bâtiment. Vous, c'est quoi vos ressentis ? Moi, je suis sereine. Moi, je suis... Là, ça va, mais au tout début, quand on a commencé et qu'il y a eu le bruit après, ouais. J'étais hyper, hyper oppressée. D'accord. Et là, ça va mieux, mais j'étais hyper oppressée. Ouais. C'est quoi ce truc-là qui bouge ? De quoi ? C'est l'ombre. Oui, mais c'est l'ombre de quoi ? Bah là, vas-y, bouge Rémi. Ou moi. Ça fait ça, t'as vu ? Ouais, là, c'est moi. Ah, c'est toi ? Mais Mais genre, d'après vous, les ressentis, c'est quoi ? Enfin, pourquoi ça se manifeste pas ? Ah, pourquoi c'est... Je sais pas. Après, c'est vrai que c'est une question peut-être d'énergie, je sais pas. Mmh. Je sais pas. Bah là, je suis bien, là. J'ai pas peur. Ouais. Genre, j'ai pas ma lumière c'est... et je suis bien. Ouais, j'ai l'impression que ça a pas envie de... Y a même plus de bruit de d'arbre ou... Y a plus rien. Ouais. De communiquer, tu vois, comme si bah, c'était serein, en fait. Mm. Bah, y a un petit bruit. Ouais, bon, ça peut être... Ça peut être un craquement, bien sûr. Ouais. Là, pas, là, on ouais, entend je... même tout à l'heure, on entendait les arbres. Là, y a ouais. Zéro non, là, y a... bruit. Yeah. Le vent, il a dû tomber à zéro, là. Ouais. Oh, là, il a zéro. Il n'y a plus rien. Et du coup, là, le bruit, bah, si on entend tout. La température, peut-être que... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Faites-nous un bruit. Maintenant. Tapez contre quelque chose si vous êtes là, s'il vous plaît. Il y a des bruits, hein. Ouais, un petit peu, ouais.
Nous allons pas changer de bâtiment, c'est dommage. Attends. C'est la voiture, ça. Non, non, mais... Non, non, mais c'est pas... Je sais, mais il y a d'autres bruits. En bas, là. Voilà, du coup, c'est masqué par la voiture, mais il y avait d'autres bruits, mais ça venait plus de dehors. Et les énergies, est-ce que, genre, quand vous avez fait le guéridon, là, vous avez tous vos mains collées. Ouais. Ben, ça fait beaucoup plus d'énergie quand on est tous, on se touche tous. Oui, oui, ça fait un cercle d'énergie. Et là, peut-être qu'on est individuel, du coup, Oui, après, il leur faut de l'énergie. Peut-être qu'il faudrait qu'on se tienne tous la main. Ouais. Tous en cœur. Ouais. C'est tenté. Ouais. Ma foi, je sais pas. Ouais, non, pas con là. Bah, pas bête la guêpe. C'est pas bête la guêpe, tu vois. Ouais. Tu veux qu'on essaie maintenant ? Pas mal l'animal. Allez, ben on va. Et en fait, on met les trucs au milieu par terre. À vous, tu veux me tenir la main. Je voulais vous toucher parce que je suis super fan de vous. Ah, t'es fan, c'est ça. Carrément. Tu peux me mettre. Ouais. Je suis pas ça bien là, je suis un peu. T'as les mêmes moites ? Angoissée. T'inquiète, ça va aller. J'ai le cœur qui s'emballe là, je sais pas si vous ressentez la même chose. Alors, quel côté c'est comme ça ? Non, attendez. Bref, attends, je vais me mettre là. Ouais. Je vais mettre là pour au moins je filme le devant. Hop, voilà. Alors comme ça. Non, comme ça, non. Il y a encore un truc qui est pas. Je crois que c'était un insecte là. Comme ça. Ouais. Allez, écoute. Bon là, donc on est tous en train de se tenir la main. Écoutez, on teste quelque c'est chose. C'est une première. Ouais. On dirait qu'on va invoquer, je sais pas quoi, mais bon. J'avoue. Bah écoute, ça fait plus de force. C'est là, il faut se concentrer, il faut essayer de se concentrer. Ouais, il faut essayer de se concentrer. Ouais. On essaye de produire de l'énergie. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous manifester, si c'est plus facile pour vous comme ça. Du coup, vous pouvez rentrer dans le cercle, par exemple, et déclencher les deux appareils. Ils sont au sol. Il faut voir si c'est pas la chauve-souris qui tape partout. Ah ouais. Il faut faire le tri avec la chauve-souris, avec les craquements. Et avec la boxe. La boxe ? Ouais. De quoi ? On va mettre la boxe ? Quoi la boxe ? Ah, la spirit box. La mettre. Ouais, mais là, ça peut masquer les bruits. Ouais, ça peut masquer les bruits, voilà, du coup. Déjà, on fait le K2. Ouais. Mm. De toute façon, s'il y a des PVE, ils s'enregistreront. Ouais. Ouais. La chaleur qui monte au visage, du coup. Ah ouais ? Ouais. Le visage tout chaud. Vous me faites de l'effet. Je suis orgasmique. Tu pourrais me prendre la température. Ouais. Je pense que la température, elle est élevée, là. Mais c'est vrai, j'ai des bouffées de chaleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? S'il vous plaît, rapprochez-vous de nous. Servez-vous de nos énergies pour faire un bruit ou pour déclencher les appareils. Ou alors n'hésitez pas à passer dans le couloir, là où je filme. Est-ce que vous êtes là ? Faites-nous plaisir et faites un petit bruit, s'il vous plaît. On est venu de très loin pour venir vous voir. Et en plus, on a la route retour. Et on va être un peu frustré si on n'a pas de retour.
taper quelque part maintenant. Lauriane veut quand même en tirer les yeux. Avec tes deux mains crucifiées. Est-ce que c'est vous qu'on entend en train de marcher? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit plus conséquent maintenant, s'il vous plaît? C'est un animal, ça, je pense. Oui, j'espère que c'est pas le... Ouais. Le loup, là, le chien de... qui disait quoi. N'empêche, je te fais confiance, il y a plein de petits bruits. Mm-hmm. La séance de Spirit Box n'aura finalement rien révélé d'intéressant. Comme vous venez de le voir, nous avons tenté une nouvelle approche en essayant de nous tenir de façon à ruiner notre énergie. Dans cette démarche, notre but était de fournir le plus d'énergie possible aux possibles entités qui ont le lieu pour les aider à se manifester davantage. Malgré quelques bruits peu probants et peu concrets, aucun phénomène ne semble s'être produit. Le sanatorium a visiblement retrouvé son calme et nous décidons à présent de nous rendre dans la maison qui a été témoin de la séquestration criminelle, située un peu plus bas dans le domaine. Allez, on est donc de retour et on va donc dans la maison. La maison donc à l'affaire criminelle. Hop. Je fais attention. Putain. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile, tu vois rien. Hop. Les gars, ferme parce qu'il y a un trou là. Ouais. Il est où pas? Bah vas-y, mais tant pis, c'est bon. Allez. C'est bon. Hop. Elle est belle la nuit, j'aime beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir, ouais, plutôt. La nuit du soir. Alors, donc on a apporté le pod du coup. Ouais. Ouais, vas-y, mets-le sur la table. Ah, l'antenne elle est mal mise, non? Elle est bien vissée? Non. Ouais. C'est bon. C'est bon. Voilà, donc on a mis le pod ici. Je vais mettre un peu plus loin. Hop. Voilà. Alors donc rebonsoir. Donc on ne s'est pas présenté tout à l'heure. On va le refaire ici du coup. Nous sommes donc des enquêteurs. On enquête sur le paranormal. Et on vient ce soir pour tenter de rentrer en contact avec vous. Il y a un bruit. Il était où?
Donc nous sommes là pas pour vous déranger. On veut rentrer en contact avec vous s'il y a des entités ici. Apparemment, cette maison a été au cœur d'une affaire criminelle. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Bah, il y a eu séquestration. Bon, après, on ne sait pas s'il y a eu de décès, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, vu que c'est une affaire criminelle... Ouais. Logiquement, après, oui. Ce qui est bizarre, c'est... Ouais, non. Dans la maison, il y a encore tout dedans. Mais bon, comme elle a été scellée aussi... Ouais, c'est pour ça. C'est ouais. Pour ça, ouais, que du coup, il y a tout dedans. En fait, c'était pour les besoins de l'enquête. C'est ça. Donc, apparemment, c'est une dame de Monaco qui aurait été emmenée ici... séquestré, donc avec une autre personne, ils étaient deux, pour une rançon. Voilà. Mais comment ça s'est fini, ça on sait pas par contre. Bah, du coup, ouais, je sais pas. Faudrait regarder sur internet et si on trouve. Ouais, on vous mettra ça dans l'épisode si on trouve. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Qui vit encore ici. Ou bien on peut s'installer. Je suis pas trop pauvre. Juste genre. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à faire des bruits ou alors vous pouvez déclencher les appareils qu'on a à vos dispositions. Donc il y a l'appareil qui est posé sur la table de salon là avec l'antenne. Donc il faut toucher l'antenne, c'est sans danger. Et il y a, voilà. Et il y a les appareils donc, que tiennent Lauriane et Morgane dans les mains. Je vais mettre ça là-bas. Hop. Voilà. Donc il est sur la cheminée et celui que Lauriane tient également. Donc n'hésitez pas à les déclencher. Il suffit juste de vous approcher, c'est sans danger, n'ayez pas peur. Du coup, il y avait une petite fille qui vivait là. Ouais, parce qu'il y a plein de dessins, les peluches, les cahiers, des très jolies poupées. Ouais. Comme on peut le constater. Ouais, elles sont belles. Pas du tout flippantes. Il y a les cahiers d'école, les intercalaires, les trucs. Donc. Et il y a des petits chaussons, des petites laquettes d'enfants. Il a dit qu'elles sont belles, les poupées. Ouais. Il a dit qu'elles étaient belles. Non, mais je rigole. À d'un côté, elle avait pas de visage, la pauvre. C'est un peu... C'est bien que les gens... Parce qu'ils ont cassé dans toutes les autres maisons, mais ici ils ont pas trop. Enfin, bah, c'est dégradé, pété, mais. Il y a encore les objets, il y a pas eu. Il y a encore tout, ouais. Ah, ils ont dû quand même bien saccager. Hein. Ouais, bah ouais, oui, il y a tout qui est par terre, il y a tout qui est. Voilà. Mais les objets sont là, quoi. Mais ouais, les objets sont là. Bon, après, je pense que s'il y avait des trucs de valeur, ils les ont pris, hein, mais bon. Ouais, bah là, ils ont mis sûrement une bougie. De toute façon, le monsieur, il a laissé un mot. Un bougeoir. Ouais. 1998. Ouais, ça date. Coupe du monde. Ah voilà, Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison ? Le calendrier. D'accord. Ah ouais, donc ouais, c'est bien après. Ouais. Ben comme il disait il y a quelques années, en fait, hein, ça n'a pas été. En fait, ceux qui se sont fait séquestrer ici n'habitaient pas ici, hein, pour précision, pour. Je regarde. Mais le monsieur qui a écrit le mot là, tu sais, à l'entrée, là. Ouais. C'est lui, du coup, qui a été en prison. Parce qu'il a écrit je ne peux pas déménager, merci de ne pas piller ce qu'il me reste. Je ne peux pas déménager, ça veut dire. Ouais, je pense. Ou alors. Il n'était pas là, mais qu'il pouvait pas partir. Mais pourquoi il n'était pas là? Il était où alors? Non, ou alors c'est simplement, je pense, sa maison qui a été réquisitionnée par les méchants. Voilà, réquisitionnée. Non, mais par la police pour les besoins de l'enquête. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est lui qui a séquestré? Ben voilà. Après, du coup, on ne sait pas si c'est lui qui a séquestré ou si c'est pas lui. Ouais, du coup, parce que je vois pas ce que ça... Si c'est pas lui, je vois pas... Enfin, ça veut dire qu'il serait... les gens seraient rentrés dans sa maison sans son autorisation. C'est un peu bizarre.
Allez, on va monter pour voir si on a plus de résultats en haut. N'hésitez pas à vous approcher de cet appareil que je filme. S'il y a quelqu'un dans cette maison, s'il vous plaît, on aimerait tenter de rentrer en contact avec vous. Et pour cela, on a besoin de vos signes, on veut pas vous faire de mal. Pour l'instant, le K2 ne donne rien. On a les relevés bancaires du monsieur. Ah ouais ? En tout cas, il était pas pauvre, hein. Il avait 3000 euros sur le compte. Ah bah tu vois. Donc ça va. Allez. On va voir. Bon, on va se mettre dans cette pièce, on va attendre 2 minutes sans faire de bruit. Allez. Le grand requin. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison, s'il vous plaît? Désolé, ça fait du bruit quand je marche, je suis sur un... Matelas. Un matelas. Donc ceci s'appelle un matelas. C'est ça. D'avoir que de... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, est-ce que vous pouvez faire... Vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît, maintenant? Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil que je tiens? Attends. Quoi? Ça parle. J'ai entendu des voix. Ouais, mais c'est pas mon nez. Attends, tu sais pas quand tu respires, ça siffle, tu sais. Bah attends, bouge ton nez alors. C'est moustique. C'est moustique? Ouais. Ok. Mais c'est la gosse pas la... Ouais, vas-y, allume-la. On va essayer de le mettre là, parce que là, ça fait du bruit. Tu veux qu'on se mette où? Attends, juste là, mais c'est voilà, parce que... Voilà, on les trois là, tout ça. Ouais. Alors, oh là, ce premier, là, il fait quoi? Je vais rester là. On va tenter une séance de spirit box ici, dans la maison. Vous pouvez nous parler, utiliser le bruit blanc qui est produit par cet appareil pour former des mots et des phrases. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison? Est-ce qu'il y a un monsieur au nom de famille, dont le nom de famille est Claes, c'est ça? On a dit Claes. Ou roi. Ou roi. Il y a une voix. Oui, il y a un truc. Vous venez de nous parler? Vous pouvez répéter? Est-ce qu'il y a Madame Roy ici? Ou Monsieur Roy? Avez-vous été témoin ou acteur de la scène d'horreur qui s'est produite ici?
Il y a encore une voix. Oui. Je suis contente. Ouais. Vous avez été témoin ? Victime ? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année s'est produit le drame ici, s'il vous plaît ? Donnez-nous une date, une année. Hantez-vous encore ces lieux ? Comment vous appelez-vous ? Vous êtes plusieurs ou seul ? Est-ce que cette maison faisait partie des fonctions du sanatorium qui est à côté ou pas ? Cette nouvelle séance de Spirit Box dans la maison de la séquestration criminelle nous aura finalement apporté quelques éléments supplémentaires. Deux voix d'hommes, dont une qui semble dire « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il y a aussi une voix féminine beaucoup plus claire qui semble, elle, dire « Je suis là ». Ceci relève uniquement de notre propre interprétation et vous êtes évidemment libre d'en avoir une différente. Après avoir passé pas mal de temps à l'étage de la maison et la Spirit Box ne donnant plus aucun résultat, nous décidons de rejoindre le rez-de-chaussée afin d'y clôturer notre enquête. Alors on va partir dans moins de 5 minutes pour aller voir donc la dernière maison qu'on voulait visiter. Donc si vous voulez vous manifester, c'est maintenant. Now. Donc soit vous faites un bruit, soit vous vous montrez... Soit vous déclenchez un appareil. Vous avez le choix. Profitez-en, on est là que ce soir. On ne veut pas vous déranger et les appareils sont sans danger. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison ? Une entité qui voudrait se joindre à nous ? C'est quoi ce bruit ? Il y a quelqu'un ? Ouais, il y a eu un bruit derrière. Depuis qu'on se tient, tu vois. On n'a pas l'air con. Ça va, mais si ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison, s'il vous plaît ? Faites un bruit si vous êtes là. Que les habitants de cette maison sont encore ici. Manifestez-vous, s'il vous plaît. J'ai pris donc à peine de bruit. Est-ce que vous pouvez essayer de déclencher l'appareil qui est sur la table ? Vous touchez l'antenne en fait.
Est-ce que vous pouvez toucher l'antenne? Est-ce que c'est possible pour vous? Anka, regarde, on le met là, on ferme, bon, on teste. Hein. Essaye. C'est pas grave. C'est le cadeau. C'est le mien. On va en innove, nouvelle séance de spiritisme. Avec le pod au moins. Avec le pod. Nouvelle personne, nouvelle. Les jaloux vont maigrir. Un cercle est un carré est un cercle. De l'ombre naît la lumière, de la lumière naît l'ombre. Bon, c'est bizarre. On se met. Voilà, moi et Lauriane, on se tient les mains pour essayer de vous fournir l'énergie nécessaire si c'est ce qui bloque à la communication. Donc, est-ce que vous pouvez vous servir de nos énergies? On vous l'autorise. Et puis déclencher le pod, enfin l'appareil qui est entre moi et Lauriane. J'ai dit Laurie, je crois. Non, Lauriane, je... Voilà, déclenchez-le s'il vous plaît. Juste une fois, il n'est pas dangereux. Servez-vous de l'énergie. Allez-y, on vous invite à rentrer dans le cercle. Le carré en tout cas, je sais pas. Et à toucher l'antenne. Nos interpellations ne donneront rien de plus et nous finirons par quitter la maison. Afin de réaliser une dernière tentative de communication, nous allons tenter de nous rendre dans l'une des autres maisons constituant le vaste parc de ce sanatorium, mais celle-ci ne donnera aucun résultat. Nous mettrons donc un terme à notre enquête. Ce lieu si énigmatique et chargé d'histoire n'aura finalement pas révélé tous ses mystères. Malgré tout, le bruit du début, ainsi que le coup mesuré par le vibrapode sur le plancher qui ont retenti dans le bâtiment principal du sanatorium, peuvent signifier que ce dernier enferme peut-être bel et bien des âmes en peine qui ont vécu quelques instants de leur vie au sein de ces murs. Les sanatoriums sont en effet très souvent propices à ce genre de présence de par leur nombre considérable de décès dus aux maladies, et ces phénomènes peuvent donc en être la preuve. En ce qui concerne la maison de la séquestration criminelle, nous n'avons récolté aucun élément concret tangible à une possible hantise des lieux, et chacun se fera donc son propre avis. Si ce lieu ne nous aura pas dévoilé tous ses secrets lors de cette enquête, il nous aura tout de même permis de nous évader le temps d'une soirée sur les traces d'un lourd passé criminel.